C'est la dernière ligne droite. Les survivants sont réunis et profitent d'un ultime moment de calme avant d'investir la gare. Là-bas, les attend John dans un wagon en direction de la liberté. Le prix à payer risque cependant d'être très lourd. Messieurs, je vous propose un genre de point strat pendant que Blaze se vide par sa blessure. Et qu'est-ce que vous faites? Quel est le plan d'action, sachant que, pour résumer, Batman est à deux doigts de péter un câble. Antonio est couvert de viscères. Shérif, pas moi. Lily Rose est nickel avec un couteau. Et nous avons de son côté Joseph qui reste stoïque. Gloria, elle, se rappelle à peine ce que vous faites ici. En attendant, Gloria, elle a géré, hein. Gloria, elle a sauvé Blaze quand un zombie lui tombait dessus. Gloria, elle m'a sauvé quand elle me faisait, quand on m'attrapait. Et Gloria, elle a eu le réflexe de tirer sur le Billy qui était qui a pris son arme. J'arrive à viser, voilà, il y a de l'amélioration par rapport à ça. Sinon, je tire Gloria, tout le temps, en fait, finalement. C'est impressionnant, Gloria. C'est d'un côté, t'as les tirs à la tête, l'élite, l'incroyable. Et de l'autre côté, elle se chie dessus. Donc quelque part, on ne sait pas encore quel perso. Mais là, elle déterre. Là, le meurtre, ça l'a galvanisé totalement. Donc, ça lui a rappelé les beaux jours de la Norvège. C'est ça, le son des Stuka qui piquent. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'en pense Blaze de tout ça, de Gloria qui lui a tiré dessus? Écoute, on fait pas d'omelette sans... sans casser, sans tuer des vieux. On fait vieux, pas d'omelette. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous organisez comment? Sachant que, je vous rappelle, Batman et Joseph fonctionnent plutôt bien en tandem en ouvrant la marche. Mais bon... c'est pas trop ce qui attend de l'autre côté. Ouvrir la marche signifie également devoir protéger le centre, notamment Lily Rose. Vous avez donné parole de l'amener à bon port. Maintenant, est-ce que vous allez fonctionner de la même manière? Dites-le moi maintenant et embrayez vers la gare. Je vais demander à Shérif. Shérif, en tant que flic, est-ce que tu peux passer devant? Et il est un peu lent, donc il va freiner la marche, peut-être. Alors, je suis désolé. Oui, avec grand plaisir. Mais d'abord, je vois ses blessures à Blaze. Je me souviens qu'elle s'est fait tirer dessus. Et je suis là, mais vous avez pas traité ça. Est-ce que je peux arracher une bande de vêtements? J'ai pris rendez-vous chez le médecin, mais je suis pas disponible avant lundi. Est-ce que je peux arracher une bande de vêtements à quelqu'un ou à quelque chose et tenter au moins d'endiguer l'hémorragie? Même elle si a déjà, elle a déjà essayé ça. Elle a déjà essayé ça. Ce qui s'est traduit par un test de survie réussi in extremis. Tu peux cependant tenter un test d'intelligence. Ça me fait penser à la scène de Hot Shot 2. J'ai 65 en intelligence. Sachant que de ce test, Shérif, va dépendre le prochain test de survie de Blaze. Bah, si je le fais pas, elle en aura un, quoi qu'il advienne. Oui, mais si tu fais un échec... Test d'intelligence. Bah, tu réfléchis, tu vas peut-être la tuer en réfléchissant. Je pense qu'il y aurait un... L'attaque mentale. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques épisodes, ce qui s'est produit quand vous allez essayer? Quand vous aviez attendez, essayé attendez, attendez. De sauver... Semi-objection, parce que j'étais pas là, si tu veux. Là, maintenant, je suis là pour objecter, si tu veux. J'objecte à tout. Déjà, c'est... Tu veux un bonus? Non, c'est un bandage. C'est un bandage. C'est-à-dire, si je foire, elle va se vider de son sang pareil, si tu veux. Tu peux pas empirer quelqu'un avec un bandage. Ok, est-ce que dans la vraie vie, tu regardes le médecin à l'hôpital en lui disant t'as combien en pourcentage de. Tu vois, ça marche pas comme ça. Donc, non, à l'inverse, ça fonctionne pas. Donc, du coup, fais-moi ton test. Non, dans la vraie vie, un médecin, il sait mettre un pansement, si tu veux. Oui, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de zombies. Ah, on peut 58, aller, on peut continuer ça comme ça et bataille de ça coups, passe, si tu veux. Ça passe, tu voulais jouer, mais t'as oublié de me mettre un malus. 58, ça passe. Non, je t'ai pas. Je vais t'expliquer exactement la réflexion que j'avais derrière. Si tu réussis, tu donnes un bonus de 10% au prochain test de survie. Si tu fais un échec, tu ajoutes un malus de 10% parce que le prochain test était à 55. Donc d'accord, là, tu le maintiens à 65. Très bien. Donc, mais un 58, un petit bandage, au moins t'arrêtes de saigner partout. Tu fais un petit c'est nœud. Ça. Le nœud, tu vois ça. Alors, par contre, le nœud que je fais au truc, c'est un nœud coulant. C'est comme ça. Mais si t'as ta grande tenue, t'as tes gants, tout ça, c'est pas pratique.
Ouais, c'est pour ça que j'ai 65, si tu veux. Si je les avais pas, c'est 95. Je réussis tout, j'ai des lunettes de soleil, je te soigne du zombiisme, je surfe en même temps, c'est compliqué, si tu veux. En plus, t'es pas en train de suinter de sang de zombies que tu foutrais dans sa plaie, aussi? C'est pas très hygiénique, non? Parce que c'est comme bien que c'est un monde de fantasy, ce que vous voulez, mais là, quand même... Non. De la sueur, oui, mais du sang zombie, non. J'ai beaucoup couru, c'est pas pareil. Du coup, autre question. La brume, faut pas la respirer, mais la brume qui rentre dans la plaie de Blaze... Ça pose pas de problème. Ouais, on souffle, on la repousse en soufflant comme ça. Ça y est, Lily Rose, c'est quoi ton groupe sanguin, dis-moi. Ça a été colmaté, entre guillemets. Hein. Il y a la plaie qui a été recouverte maintenant grâce à l'intervention de Shérif. Shérif. Cependant, pour répondre à ta question, le doute émis par Antonio de vive voix fait se retourner Joseph. Qui alarme. Ils ont l'air frais, tes organes. Qui alarme. Qui alarme à feu récupéré sur le corps de l'inconnu. Ah, c'est moi. C'est moi. Alors, dans ce cas-là, je vais m'intercaler. Je vais m'intercaler en disant on a tous subi des plaies d'une manière ou d'une autre. Si la brume peut nous infecter à travers des plaies ouvertes, on est tous foutus. C'est même pas une question, en fait. Donc, laisse pisser. Présumons que non. Dirigez-vous et avançons vers la sortie de cet espace. En même temps que le doute s'installe parmi vous. Messieurs, vous êtes à l'endroit qui a été urbanisé au niveau de la gare souterraine qui se trouve non loin de là. Vous voyez cet endroit qui a été plutôt investi par des ouvriers, qui était investi par des plans d'urbanisation plutôt ambitieux et qui restera à jamais figé dans un chaos relatif. Nous avons tout autour de vous des éléments de chantier, nous avons des panneaux, nous avons aussi des véhicules qui ont été renversés, comme par exemple cette citerne qui devait probablement produire du béton, qui devait produire des matières premières. Bref, pour ce chantier... Oh, est-ce que c'est un camion-citerne que quand on est gosse, les machins ils tournent à l'arrière comme ça? Eh ça fait du signe. Oui. Oh bien. Nous avons un monticule ici, si vous voulez, surélevé, et ce bâtiment ici qui ne sera également jamais terminé. Il n'y a pas de vitres, il n'y a pas beaucoup de pièces vivables à l'intérieur. Cependant, tout autour de vous, il y a des morts-vivants qui soit errent sans but, soit commencent à vous remarquer alors que Shérif ouvre la marche, suivi de près par Antonio. Alors moi, je constate quand même que le taux de chaos de l'endroit est amplement inférieur à celui du stade, vu que rien n'est en feu. Ceux-là sont plutôt, ces zombies-là sont plutôt respectueux de leur environnement. Voilà. C'est pour ça. Donc pourtant, moi, j'ai la matraque. Citerne, hein, donc, et il n'y a pas de caribou. Ah, c'est pour ça. Oui, en plus, pas de caribou, là, pour ça. Moi, j'ai la matraque, j'avance. Si tu veux. La brume. Mais je vais couvrir tes arrières. Enfin, j'avance avec toi, mais tu es le, le mur. Voilà, j'avance, mais je fais gaffe à la... Je fais gaffe à la brume, Maillard, que tu voilà, sembles... Voilà. Oh, toi, tu es une raquette, la brume a une conscience. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire, voyons? Mais du coup, Maillard, pour ouvrir l'action, je vais avancer d'un pas déterminé, sans ralentir, vers la grosse, et lui mettre un coup de matraque en mode... je vais pas dire en mode gilet jaune, parce qu'on a déjà fait la balle. D'accord, bah du coup, tu la fais pas. Donc, faites-moi... Ah si, je lui mets la coup de matraque, par contre, hein, elle cependant, paye. Qui se pose en sentinelle pour essayer de surveiller les mouvements erratiques de la brume au gré des vents qui sont ascensionnels et parfois violents et soudainement propulsent cette brume épaisse dans votre direction. J'ai l'impression d'être, vous savez, dans un Mario avec les trucs qui bougent en feu comme ça, vous devez éviter dans un couloir. Faites-moi un test de perception pour essayer de rester à bonne distance de cette brume. 71, je suis occupé à faire autre chose. 13. 96, il n'y a pas de brume. Voilà. 79, d'ailleurs, où sont les amis? Mais c'est pas contre, vrai, Antonio. Blaze... Tu sais qu'il y a d'autres chiffres entre 5 et 96. Hein. Par contre, il me semble que Blaze fait un succès critique vu qu'elle est en posture morbide. Oh! Ah! C'est vrai. Oh! Ah, les règles! Que se passe-t-il? Depuis quand c'est là? C'est ça? Mais alors? C'est incroyable. Alors, très bien. Antonio, lui... était un peu absorbé, happé par l'attention portée sur les brumes. Et au dernier moment, il se fait tirer en arrière par Blaze. Il fait « Reste pas ici, il sait ce qui nous attend. »
et tu réussis un test. Sur ce temps-là, d'ailleurs, ça te surprend. Tu parles comme ça, Blaze. Blaze, c'est comme ça. C'est peut-être la douleur. C'est l'adrénaline. Ouais, là, oui, bah, ouais, c'est oui, ça. La douleur. Merci. Je sais très bien faire la douleur. Je veux dire, oh, excuse-moi. Ouais, c'est pas plus glorieux. Et du coup, je l'ai matraqué, elle, ou bien? Oui. Vas-y. Très bien. Donc, je fais un G. Non, parce là, c'est pas un G. Elle me regarde toute seule. Pas. Elle se retourne t'as à peine. Juste accroché pour la matraquer. Voilà. Par contre, avec le bruit, avec les mouvements, avec Antonio qui était certes absorbé, lui était discret, mais Blaze, en ayant pris cette voix rauque, a attiré l'attention des autres des créatures deux dans les environs. Bien sûr. Donc, et de ces deux ombres. Exactement. Monter par ici, ça risque d'être un peu compliqué entre Gloria qui est vieille et Blaze qui est moins vieille mais blessée. Donc vous faites le tour. On peut pas les porter. Ah, ça risque d'être plus long que de faire. D'accord. Pour tourner par ici. Et le zombie qui est à côté de nous là, c'est un touriste, il nous attrape pas. Il fait coucou comme ça. Et il nous regarde passer, il fait hop. Et il est mort. Il est déjà mort. Non. Il faut bien qu'il y en ait qui soient en déjà morts. En fait, quand les zombies sont isolés, comme vous êtes en surnombre, vous réussissez à plutôt les maîtriser. D'accord. Ok. En plus. Ça marche. Voilà. Ouais, on va pas faire les gestes. Voilà. J'étais à deux doigts de tirer. Hein, je tiens à le dire. Et... Bon. Ok. Alors, tu as un petit moment de panique. Bon. Non, mais ça va. Il y a Batman qui l'a repoussé dans les fourrés comme ça. Ok. Mais du coup, Maillard, ils vont partir devant pendant que je vais retenir ces deux-là et les buter avec mon tour et coup de pépère parce que c'est... Bah, je reste avec toi. Du retard. On va fonctionner en binôme. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'allais dire que c'était tout seul. Vous m'attendrez. Donc on met la femme blessée, la gamine et la vieille dans une équipe. Voilà. Il y a pas de bonne équipe. C'est équilibré. C'est pas nickel. Le truc, c'est que je veux pas que ces deux enfoirés ouais, de par contre, ils font le tour. Ouais, tu restes un peu en retrait. Tu vas arriver au moment où eux, ils vont fermer la marche ici. Donc. Ah putain, je les avais pas vus au nord. Eh ben si. Tant pis. Tu les as remarqués trop tard avec Antonio. Donc, il va falloir me faire un test pour passer. Sachant que Batman et Joseph, eux, sont passés. C'est eux qui vous donnent l'alerte en disant « Maniez-vous ! On n'a pas le temps, maniez-vous ! Et je sais pas pourquoi je prends cette voix ! Mais maniez-vous ! C'est la voix de Batman ! Christian Clavier, Batman ! Non, c'est les 60. Okay. Mais attends, pourquoi j'ai été téléporté là ? Attends, une seconde. Ouais, pardon. Robin, il y a des zombies. C'est bon. Alors, Gloria est ici. Gloria qui remarque au dernier moment que la voix non, se ferme vivant, devant eux. Gloria, Blaze, vous êtes devant avec Joseph et Batman. Lily Rose se retourne pour voir ce qui se produit. Et ce qui se produit, c'est la chose suivante. Dites-moi, Antonio, shérif, qu'est-ce que vous faites ? Moment où... Alors, Antonio en prio, si c'est du cac. Ouais, bah le but c'est de. Je suis peut-être pas obligé d'attendre d'arriver ici pour monter. Je peux peut-être quand même juste monter là. Ouais. Pour essayer de. Là c'est moins haut, évidemment. Oui, tu peux, oui. Oui, bien sûr. Bah, je reste quand même pas trop loin parce que le but c'est d'aider aussi le shérif. Ok. Donc, fais-moi un test de corps à corps, s'il te plaît. 32. Ok, tu repousses. Ceux qui essayent d'investir, je vais faire un test, moi cependant. Il faudrait que je réussisse un bon test. Pas du tout. À toi, shérif, pour passer. Fais-moi un test. Je peux pas passer pendant que lui les retient, simplement. Bah, il te permet de passer, de faire ton test, en fait, ce qu'il y a. Sinon, d'accord. Tu aurais été condamné derrière. 67. Ça passe de pas grand-chose. Enfin, ça passe pas de pas grand-chose. Ok. Tu es de nouveau dans la situation où il commence à te bloquer. Peut-être qu'un tir bien placé par Gloria devrait te tirer d'affaire. Oh merde, Gloria, la solution de la dernière chance. Gloria, la snipeuse. Mais je peux pas essayer de l'attraper, de le tirer. Oh non, il est lourd. T'as déjà fait ton test en plus. Jeté dans la ligne de mire. Allez, c'est parti. Oh ah non, c'est le 6. Je croyais que c'était le 2 sur 100. Ouais, aussi. Je ne choquerai pas ce shérif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle. Ah, 70, je crois que ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. C'est raté. Dommage. Ok. Donc, le tir passe à côté de ta tête, shérif. Et t'entends encore raté. Alors pour l'instant j'ai de la chance parce que lui est seul. C'est au prochain tour que je vais bouffer ma race. Absolument. Donc je fais moi mon test. 36 raté, comme je vous ai dit. Ils ont plus de réussite critique, mais ils ont moins d'attaque, notamment ceux qui sont lents. C'est pas la horde qui est sur toi, c'est pour l'instant les premiers. Donc, et quand bien même, tant qu'il est isolé, ou du moins tant que c'est pas la horde... Ça ne sera plus le cas le tour suivant, cependant tu as déjà agi. Lorsque vous arrivez ici, les autres, pendant ce temps-là, lorsque vous arrivez ici, vous remarquez cela. Il y a autour de vous
donc des plaques bétonnées, c'est-à-dire que les citernes, les productions donc de béton se sont écoulées ici et se sont solidifiées autour des zombies. Et ceux qui ont été imprégnés du béton sont fixés, et vous remarquez cela par l'aura grisâtre qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger pour vous saisir, mais ils représentent un obstacle présent, un obstacle pardon, évident. Notamment eux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les repousser parce qu'ils sont fixés au sol. Il va falloir soit les tuer, soit trouver un moyen de les maintenir pour laisser les autres passer. Ça, c'est marrant, ça, comme épreuve, c'est cool. Mais par contre, il va falloir aider Sheriff derrière aussi. Parce que moi, Sheriff, je peux pas retomber dans la mêlée de zombies. Moi, si moi vous... je pensais, est-ce que c'est possible pour Batman d'utiliser son bat de grappin pour le tracter? Parce qu'il a un super grappin, je crois. Ouais, tu veux dire tirer un coup de harpon lourd, dans le corps de Sheriff pour le tracter? Bah, j'ai l'armure. J'ai l'armure, ça passe. Il peut au moins, il la grippe et puis on peut se mettre à plusieurs et tirer Batman... Et Batman tire avec son grappin. Si je fais une réussite critique, je te traverse. Attends, non, moi c'est une suggestion, un ouais, je veux pas tuer Sheriff. De mes propres mains. Moi je dis oui. Je dis oui. Par contre, attends, Maillard, dans les yeux là, si tu fais un échec critique, tu me traverses, mais dans la gorge. C'est one hit KO. Hein. Ah, c'est Scorpion. Get over it. C'est Mortal Kombat. Ok. Batman, non, parce que tu valides un moment, moi je propose. Ah bah bien sûr, c'est moi qui augmente la dose, elle, si tu veux. Ce zombie qui est ici, par exemple, il est grisâtre, donc il est bétonné en partie, donc il essaie de vous saisir, mais comme il est tout seul, vous pouvez le terrasser vu que vous êtes en surnombre. Le tabasser en mode japonais. Voilà. Par contre, voilà, échec critique, c'est one hit KO et c'est moi qui all-in. Échec critique à 91 ou plus. Réussite critique à 0 à 10. Moi je all-in si tu veux. De toute façon, j'ai déjà claqué tellement de perso, allons-y. Il y a la difficulté de l'action. Oui, oui. Oh, le succès critique. Ah, oh, ça s'est alors retourné là, contre moi. Ça fait comme tu t'es trompé tout à l'heure, t'as dit si tu fais un succès critique, tu meurs. Et dans ta tête, j'étais toujours dans le succès critique, tu vois. Et bien sûr. Non, mais c'est ça, mais j'étais pas préparé à votre réussite. C'est un succès. Est-ce que ça fait comme dans les dessins animés où tu sais, ça nique la physique, genre ça va en ligne droite, puis sur le dernier mètre, on sait pas pourquoi, ça s'enroule en fait. Et il enroule tous les zombies. Batman tire avec son lance-grappin. Avant qu'il atteigne son objectif, Sheriff l'attrape et il le tracte et il part en arrière. Et là, il y a le tam-tam-tam-tam-tam. Et du coup, ça me tracte là, la téléporte. Donc, non, faut pas déconner, tu pèses 800 000 kilos, donc s'il te plaît. Bah, il me tracte. Maintenant, je suis son sac à dos, si tu veux. Ok, ça c'est dans ta tête, et derrière, tu les vois tous en train de tenir la corde en fait. Putain, il est lourd ce con. Donc, du coup, vous retrouvez ici, Sheriff, tu tirais d'affaire grâce à la réussite critique inattendue de Batman. Assist. Incroyable, incroyable, merci Batman. C'est vraiment Batman. C'est vraiment lui. C'est chaud. Batman qui tracte Robocop, quoi. Il saute derrière un buisson. Fou. Au revoir. Même lui, il croit pas. C'est moi qui ai fait ça, j'ai pas compris. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici, organisez-vous vite parce que là, par contre, ça se referme sur vous. On avance en tapant les zombies qu'il y a devant. Ok. Qui Moi, je vais courir. Hein. Je vais courir déjà. Tu réalises que quand tu cours, tu te déplaces au même mouvement de marche que les autres. Oui, bah exactement. Je vais aller dans la mêlée devant avec probablement Batman et Joseph. Ok. On pourrait pas concentrer toute la puissance de feu qu'on a pour créer un couloir en fait. Je vous explique. C'est possible. Vu qu'ils sont en partie bétonnés, toutes les attaques au corps à corps ont un malus de 10% qui est représenté par l'équivalent d'armure en fait. Attends, mais eux ils sont bétonnés aussi? Oui, ils sont grisâtres. Oui, tout le monde est bétonné ici. Et pourquoi on prend pas ceux-là là en bas? Je ping là. Oui. Voilà, Maya, en fait, comme il y a l'espèce de gros tas de merde de débris et pas juste la boue au sol, on a l'impression qu'ils sont sur les débris et pas bétonnés. Mais les débris sont bétonnés. D'accord, ok. Donc voilà. En fait, il y a eu le béton et les zombies ne sont pas... Et qu'est-ce qui nous empêche de passer par-dessus la citerne? Bah, peut-être l'inconnu de ce qu'il y a derrière. Contourner par là? Non. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas tirer sur ceux qui sont là? Vous pouvez, mais au risque de perdre les balles. Choisissez vite. Ah oui, c'est but. De toute façon, il va bien falloir passer. Donc non, moi je dis on tire sur ceux-là. On fait un petit couloir par ici, on essaie de nettoyer. Ce zombie, il est mort, on est d'accord. Oui, bah, comme j'ai dit, il était isolé, donc aucun problème. Donc, bah allez, sortez les armes et puis on y va. Vous prenez quelques secondes pour tirer.
Vous utilisez le pistolet que vous avez récupéré sur l'inconnu que vous avez croisé plus tôt. Vous utilisez le fusil de Gloria. Je vais vous laisser un des six à chacun. Ça va être shérif, le nombre de balles. Mais shérif, il a plus de munitions, non, il me semble. Ah, j'ai plus, si on voit qu'il décide de tirer, on va pas au corps à corps tout de suite. Hein. On va se mettre derrière Gloria, pas devant Gloria. Vous êtes prévenus maintenant. Lancez un dé de 6 chacun, c'est le nombre de balles que vous restez dans le pistolet et dans le fusil de Gloria. Bien joué. Ah non, Gloria a balles illimitées. 5 et 3. Il te reste 3 balles. Gloria, il te reste 5 balles. Red. Mais Gloria a balles illimitées, c'est son skill. Ah bon? Je sais plus. Oui, skill. C'est son skill de perso. Hein. Et là, balle infinie, c'est ça le gag en fait. T'es sûr de ton coup? Je sais pas si c'est précisé, bah, mais j'en ai bien profité jusqu'à présent. C'est-à-dire, oui, je suis sûr dans sa fiche de personnage, c'est marqué hein, qu'elle a son stack à elle et qu'elle s'en bat les couilles en fait. Non. Attends, non, c'est pas marqué. Nulle part? Non. Trouvez les règles. Non, trouvez les règles. Déjà, elle fait pas de jeu. C'est à ce moment-là, Bob, où tu te réveilles en sueur. Donc, du coup, on les a pas comptés jusqu'à présent, donc. Non, c'est très bien. Mais qui a par Glor? Ah bah attends, il y a Bob aussi qui a une arme à feu. Non, il l'a plus. Il l'a utilisé pour s'en sortir tout à l'heure. Donc il y a que Blaze et Gloria qui ont de quoi tirer. Oui. Joseph, tout ça, rien du tout. Et vous avez plus que lui. Moi, il me reste le plus de balles. Il a pas un Batman. Batman, parce qu'il y a la version de Batman où il a un flingue. Et son bat de boomerang, il a pas? Ou avec le grappin, encore une fois. Calmez-vous. Il est en tracteur et il arrache tous les autres. Oui. Stop. Oui. Ok, donc si vous voulez, vous pouvez continuer à discuter, les autres ils arrivent. Hein. Donc. J'ai un plan. Bah, moi, oui. Je tire sur cela là, juste. Hein. On va pas tirer sur ceux de gauche, ça sert à rien, c'est munitions perdues. Juste j'ai aussi un plan aussi, mais il est pas très cool. Bob. Attends, utiliser shérif en fait, qui plonge, qui slam comme dans un concert en fait, et on l'utilise comme une passerelle. C'est pas très cool pour lui, mais en même temps il est blindé donc il recevra pas de dégâts. Attends, du coup j'ai même pas entendu son plan. Utiliser comme un bélier. D'accord. Je prends le sac de sable de 50 kilos, ça doit être du ciment. Oui. Je leur balance à la gueule, avec de la chance ils sont friables, ça leur pète la colonne. Même si ça leur pète la colonne, ils sont Puis le sac, il est pas gigantesque. Si ça leur pète la colonne, ils sont comme ça en arrière, ils n'auraient plus à nous choper, ils servent à rien en fait. Dans tous les cas, vous utilisez les balles, vous lancez tout ce que vous pouvez lancer à proximité, vous profitez de l'ouverture après avoir vidé une partie de vos munitions sur eux. Il y a des démembrements, il y a des viscères au sol, il y a du sable, il y a du ciment, il y a des restes. Bon, bref, ils sont morts. Impossible à identifier et vous vous dirigez vers l'entrée du souterrain par là avec seulement 8 balles. En voyant derrière la même chose ici et en voyant sur le côté cependant que les hordes vous ont détecté parce que vous avez tiré comme des gueudins et que ils commencent à vous suivre en allant de plus en plus vite. Vous avez progressé désormais dans les tunnels. Vous aviez entendu des bruits inquiétants, des râles, des échos et à mesure que vous avancez, vous découvrez un carnage. Il y a une lumière plutôt moyenne dans les environs qui se reflète avec la moindre parcelle de métal ou de surface. Il y a du sang de partout, il y a des morceaux de chair, il y a eu un véritable carnage, des créatures démembrées, des entrailles sur le sol tout autour. Qui a bien pu faire ceci alors que vous entendez dans les murs frapper derrière les portes, cogner des morts partout? Blaze, tu as un moment de faiblesse, ou plutôt c'est moi qui ai eu un moment de faiblesse en ne te demandant pas un test de survie à la dernière map. Tu as de la chance. Fais-moi, s'il te plaît, ton test de survie. Tu bascules légèrement en te disant « Ah, je me rappelle, c'est vrai que j'ai très mal. Ouais. » je tombe et puis là, c'est là où tu as le QTE qui apparaît avec marqué « Press X ». Voilà. Fais-moi ton test grâce aux soins commis. Mais tu sais, tu facepalm en mode « comme un pingouin mort, tu sais. Si, par chérie, si elle est morte depuis 2 heures, en fait. Contrairement à la canard. Ah, c'est Jojo, quoi. Fais-moi un test, s'il te plaît. 65, grâce. Le test réussi. Le chef. Ok, 65. J'aurais fait ce que j'ai pu. Ah, 83. Ah, test de survie. Attends, avant de tomber, je regarde Lily Rose et je fais pour respirer son âme. T'arrives devant les portes de la liberté, t'arrives devant la délivrance.
mais ce n'est pas la délivrance à laquelle tu t'attendais. Il se présente à toi. Attends, il me reste 5 balles. Et il y a la vieille, là, toujours. Oui. Je peux pas l'emmener avec moi. La petite, emmène la petite. Tu as un moment de faiblesse. Il me reste 5 balles et vous êtes 5. Tu as le genou qui plie. Blaze, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens partir. Voyant la mort arriver, Blaze... Ta gueule, vas-y, s'il te plaît. Voyant la mort arriver, Blaze décide de monter sur le quai. Se vidant de son sang, elle comprend que tout est perdu. Et je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Oui, je sais pas. C'est ta Blaise qui vient là, de long, à la dernière seconde. Je comprends pas. Je fais une mort à la troisième personne. Elle est folle, elle parle toute seule. Marion Cotillard, quoi. Je commente mes propres actions. Elle monta et trébucha. Elle avait l'intention de les trahir à la base, mais... quoi? Et de manger du lit rose. Je décide de monter sur le quai... voyant que je suis perdu et que de toute façon mon jet de survie étant foutu, je vais monter sur le quai pour me vider de mes dernières forces, mais en même temps je vais utiliser l'arme que j'ai et mes dernières balles pour essayer donc d'attirer un maximum de zombies de la salle, vu qu'on est en plus dans un espace fermé, donc les tirs de fusil, enfin les tirs de pistolet devraient se résonner à travers toute la gare. Réverbérer, donc, ouais. Je vais en attirer un maximum sur moi et je vais dire aux autres. Je vais y passer. Alors creux, alors j'ai une voix vachement vieille. Ah, tu vois ? Je vais y passer alors. C'est canon maintenant, c'est terminé. Alors, profitez. Ça, vas-y. Profitez du fait que je vais emmener un maximum de zombies avec moi pour essayer de passer. Lilios qui se demande pourquoi il est jeune, mais surtout. Blaze, non. Plus que tu as survécu jusqu'à maintenant. Tu. Qui dit ça ? Lily Rose. La gamine. Ah. S'il te plaît, ne nous abandonne pas, Blaze. Tu as Lily, promis de rester avec nous. C'est terminé pour moi, Lily. Mets-toi à vie. Sois heureuse. Et méfie-toi de ces gens. C'est vrai, ils sont complètement fous. Ok. Donc, ben, je me dirige avec une musique triste, mais en même temps héroïque, dans cette direction. Et je vais gueuler toutes les insultes que je connais pour essayer d'attirer un maximum de zombies et en même temps, et de temps en temps tirer une balle en prenant bien soin de garder la dernière balle pour moi pour me suicider. Tu entends, c'est vraiment, tu t'emportes et que tu les utilises toutes à la fin. Ouais, un petit jet de stress, hein. Ah, ouais, ou alors que les zombies, comme il y a de la réverbération, ils savent pas où aller, tu sais. J'avoue. Ils viennent sur nous. Personnellement, je suis peut-être un salaud, mais je la connaissais pas. J'ai vu ce qu'elle tentait de faire, j'ai compris, j'ai commencé à partir en avance parce qu'elle allait me rattraper de toute façon. Donc, ça va pas être trop dur. Et vous pourriez avoir un dernier mot pour mon personnage quand même qui se sacrifie pour vous, bande d'enculé. Bah, moi je trouve que c'est une énorme perte hein, parce que 5 balles quand même, ça aurait pu J'ai été sûr. C'est... voilà. Il y a même pas de surprise dans ta blague. Je sais, je l'ai fait quand même, je suis content. Contente. Un autre mot, les autres? Non, tout le monde, voilà, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Allez, bah, allez bah mourir, non, vas-y, j'en tire mon personnage. On est triste. Ouais, ça se voit, ça s'entend. Ça s'entend. Non, mais on essaye de survivre, là, on regarde, on demande qu'est-ce qui se passe, et puis... Batman et puis bloqué, un petit signe de la tête pour dire merci. Il y a en effet, Blaze, tu te retournes pour essayer de capter un regard triste ou un regard compatissant suite à ton action, et tu ne crois je vais essayer regard. De monter en fait. Ils sont déjà je vais essayer de monter les escaliers et pour en attirer un maximum vers moi, enfin tout ce que je peux attirer en fait, tout simplement. T'entends du bruit. Notamment la horde derrière en fait. Hein. Notamment ah, mais en la fait, tu horde t'enfuis, tu pars dans ton coin, tu vas te soigner. Tu n'es pas du tout en train de mourir. Hein. C'est ça. Non, mais en fait, je voulais disparaître. Comme ça, tu sais jamais si je suis vraiment mort. Et on entend un bruit d'hélicoptère après. C'est ça. Dehors en fait. Dehors, t'as son pote comme ça. Son pote qui attend avec un minivan comme ça. Mais il avait une place, il pouvait pas emmener d'autres personnes, fallait que tu fasses croire oui, que tu mourrais. C'est... Parce que c'était une voiture de sport des années 80, il y a que deux places dedans. Get in. C'est ça, ou pas je pars en... Écoute, donc je monte les escaliers et je pars en Kaiser Soze, du coup. Je me relève et voilà. Et je vais bien. C'est beau. C'est beau. Et donc, quand tu te retournes, tes camarades d'infortune ne sont plus là. Ils sont en direction du wagon. Point strat, exceptionnellement, en milieu d'épisode. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de personnage. Donc, point strat, grâce à toi, Fred, qui a perdu Blaze de manière totalement épique et émouvante. Hein, l'émotion se lit sur le visage de tes camarades.
Et ils sont en larmes, hein, là, en ce moment même. Seb, il est à fond dedans. Et donc, du coup, tu vas me tirer ton personnage. 1, 2, 3, sur un des 6. 1, 2, 3, Lily Rose. 4, 5, 6, Batman. Joseph, tu l'avais écarté grâce à un joker. 1, 2, 3, Lily Rose. 4, 5, 6, Batman. Et ça sera Lily Rose. Lily Rose. La boucle est bouclée. Pour le dernier la saison avec... Donc, avec le je reprends mon personnage de la saison 1. Exactement. Ça. Donc là, t'as Rambette, c'est Rambo au féminin, mais avec la puberté en plus. C'est vénère. En plus, ouais, tout à fait. Un sentiment de vengeance après la disparition de Blaze. Du coup, je te laisse reparler très rapidement et très succinctement de ce personnage avant de voir où en sont les survivants. Les gars, vous arrivez au virage alors que partout tout autour résonnent les hurlements, les râles, les grognements des zombies. Vous ne savez pas trop où donner la tête, même s'il suffit très simplement de suivre les rails. En fait, il ne suffit pas d'avoir une haute intelligence pour cela. Vous voyez à votre gauche cependant qu'il y a le plus gros charnier que vous ayez eu à croiser dans ces tunnels. Ce qui a opérer ici doit être assez impressionnant. Vous entendez derrière des coups de feu et au même moment, Lily Rose s'exprime et dit la chose suivante, en petite pensée peut-être à Blaze. Elle dit que vous êtes quand même une grosse bande d'acculés. Surveille ton langage, petite. Je mets une claque. Je cite Fred en tant que perso le plus RP. Oui, ben, à ce moment précis de l'aventure, c'était le cas. Hein. Oh non. Alors, je vais être sincère. Je connaissais pas Blaze et je connais personne et j'ai même pas vos noms pour savoir. On a même pas eu le temps de parler ou quoi que ce soit. La question, c'est est-ce que quand même j'ai compté le nombre de coups de feu? Oui. Voilà, c'est le cinquième en fait, tu sais que c'est la bonne. Ouais. Enfin, en fait. Pour l'instant, c'est le deuxième. Et on entend 12. C'est vrai. Et le bruit d'hélicoptère. Donc, du coup, vous arrivez par ici, faites-moi un test de perception, tous, s'il vous plaît. 96 de j'ai de la buée sur le casque, j'ai rien. 7 Rien bité. Oh la vache. Le mec, quoi. 5 Merde. Non, lance pas un des 6, Fred. Ah d'accord, ouais. Il y a triché, ouais, j'avoue. Non, ça réussit. Très bien. Donc, Batman est... Échec critique pour moi, succès critique pour Antonio qui normalement me suit. T'es pas en état morbide, il me semble. On est pas dans... Il y a pas tous les enfers et il y a 10%, je sais pas quoi. Il me semblait, hein. Il me semblait que tout était à 10, 90, non? Non, il y a pas... Il y a juste deux personnes qui sont en état morbide. Il y a... D'accord. Shérif. Il y a moi, ouais. Et... Feu Blaze. Moi, je me contenterai d'une réussite. Excuse-moi. Très bien. Donc, du coup, Shérif arrive par ici et je ne vais pas forcément produire les effets de l'échec critique ou de leur réussite critique immédiatement. Je la garde dans le chargeur. Ok, je suis un zombie. Très bien. Allons-y. Donc, vous progressez. Batman se retourne et dit « Ça sent mauvais ». Joseph, lui, de son côté, regarde tout autour, très stoïque, se gratte la barbe. Et vous arrivez à ce niveau-là, mais il y a des membres arrachés de partout. Et vous voyez un léger mouvement par ici, vous n'arrivez pas trop à identifier s'il s'agit à mort ou s'il s'agit d'autre chose. Ici, à quai, pareil, c'est un carnage par ici. Il y a des cadavres et ça tambourine derrière les portes. Par ici, il y a apparemment des objets qui ont été disposés pour bloquer les accès, pour empêcher les zombies d'arriver en masse. Alors que par ici, vous voyez des mains dépassées et ça a l'air d'être plus fragile ici comme obstacle. Donc, il va falloir agir vite et progresser rapidement. Je vais passer devant et utiliser mon bonus de discrétion juste pour partir un éclaireur. Ok. Juste avant, sur la condition actuelle du charnier, est-ce qu'on sait quelle est le chemin que va emprunter le wagon? Parce que ça se trouve, il faut dégager les cadavres pour qu'ils puissent passer derrière le train. Ouais, je pensais la même chose, ouais. Tu as l'équivalent, sur un prochain test, Antonio, je vais parce que c'est une remarque pertinente, t'accorder un bonus de 10% sur le test.
J'allais faire la même en disant même que tu t'es que fait la sortie gris, la plus probante. C'est... bah non, mais... ouais, évidemment. Mais que la sortie la plus probante c'est ici et donc ouais. Il fallait directement aller voir à la poignée de ce machin pour voir si on peut changer l'engrenage maintenant. Ouais, il y a le truc qui brille là, je pense. Très bien. Il est pas de la même couleur. Alors, on peut faire donc un travail collectif, que... dégager les cadavres. Alors question que ce soit pas des pour zombies, essayer etc. De casser le système, Lily Rose. Tu as dit que si tu te retrouves seul, sans adulte, tu t'enfuis. Est-ce que en t'isolant pour utiliser ton bonus de discrétion, tu te retrouves seul et tu te casses non. Et tu changes de personnage ? Non, ça marche pas. Très bien. Dommage. Donc, du coup, tu arrives, fais-moi un test de discrétion si tu dois discrétion, opérer. Ça passe. Ça passe. Et tu remarques qu'il y a ici... un passage qui est beaucoup plus ouvert. Les débris ne semblent pas empêcher l'ouverture de dégueuler du zombie. Cependant, il y a le charnier, il y a une... Attention, il y a quelque chose qui becte par là. Oui, non, mais je suis je suis en mode discrétion réussie. Donc, okay, tu te repasses tout le générique de Tortue Ninja au même moment. Il y a ici les escaliers qui sont obstrués. Par là aussi, tu entends le coup de feu, le dernier coup de feu de Blaze, le troisième, et à côté il y a Antonio qui semble commencer à dégager les corps sur la voie, parce que la remarque pertinente comme quoi le train, le wagon pourrait emprunter ce chemin, il pourrait bien être vrai. De ton côté, shérif, tu vas par ici, vous faites trois groupes de deux, c'est ça? J'ai pas compris. Bah pour l'instant, on est plutôt ensemble. Pour le coup, j'ai probablement Joseph avec moi, du coup, okay. S'il bouge pas ou s'il sert à rien. Ouais, je vais rester avec Batman, moi. Ok. Et là, j'aimerais poker avec mon le bout du canon de mon fusil le tas de cadavres, voir s'il y en a pas qui sont. Mais enfin, c'est pas plus logique que ce soit Shérif qui aide à déblayer les cadavres, parce que lui peut pas se faire mort s'il y en a un qui est vivant. Oui, c'est vrai. Ça serait plus prudent. Bah, dans ce cas-là, dans ce cas-là, comme je suis en échec critique de perception, faut me le dire. Je vais pas bah, je te tout le dis. Seul. Moi, je vais suivre. Tout à fait. Dans ce cas-là, je vais le suivre et me mettre en position pour que Maillard utilise mon échec critique au plus oui. Probant. Bien sûr. Et je vais commencer à déplacer les cadavres de vieilles pareil avec. D'accord. Tu commences à dégager le charnier. Avant, il faut que Joseph voie la poignée. T'as fait un 5, Antonio. Ça a bougé par là. T'as fait une très bonne réussite. T'as fait un réussite à combien? 7. Lily Rose. 52. Large, très large. Ouais, tu n'arrives pas trop à identifier, mais oui, il y a du mouvement aussi par là. Mais de là où il est, Antonio, il a réussi. A remarqué, mais malgré la distance, mais grâce à un test rondement mené. Je sais pas, j'essaye de faire un petit sifflement, mais tout petit, pour que Lily Rose entende et lui montrer là-bas. Je sais pas si elle peut. Bah ouais, mais je. Elle appelle le chien, quoi. je vais m'approcher, quoi, du coup. Elle est où la Lily? Elle est où la Lily? Très bien. Je vais saisir le plot qui est là et le jeter dans le tas. Ok. Tu vas saisir le plot discrètement, t'entends les râles. Tu vas pas faire plein de bruit? Enfin, je suis pas là. Le mort. Ouais, qui c'est est là. Ça. Et je suis toujours en mode discrétion en réussie. Alors mange tes morts. Il avance vers toi en rampant. Donc tu auras le temps de récupérer le plot. Et ouais, je rappelle que je suis toujours en mode discrétion réussie. Oui, mais tu n'es pas invisible. Donc laisse pisser. C'est pour augmenter la tension. T'as le temps de lancer ton plot. T'as pas tous les zombies qui viennent con. Vers toi, quoi. T'en as juste un qui t'a vu. Tu prends et qui a pas de jambes. Plot, t'arrives, tu le saisis pendant que t'entends les sifflements oppressants d'Antonio. Et tu lances. Avec les sous-titres en espagnol. Tu lances le plot qui arrive là et tu entends à ce moment. Aïe! Ah, tu reconnais la voix. C'est la voix de John. C'est la voix de John. John, mais que fais-tu là, John? C'est la voix. Alors, pas le même John qu'aurait espéré Antonio. Et en même temps, quand tu dis ça, il y a Antonio qui se retourne brutalement. Et il y a John qui est recouvert, mais recouvert de sang. Attends, t'as perdu Fred. John est le conducteur de bus et de camion qui était le routier de la première saison, un survivant supplémentaire qui n'est pas jouable et qui peut nous servir à piloter l'espèce de machin pour quitter l'endroit. C'est basiquement le PNJ de la victoire. C'est ton allié, c'est ton ami. Ne le tue pas. Il a un token qui ressemble à la boule. Voilà. C'est bon, ça t'est revenu là en termes de scénar ou Et tu le connais? Tu le connais. Donc tu le reconnais. Il est couvert de sang, il est couvert d'organes, de viscères et tu remarques
à côté de lui, le long de son bras, une tronçonneuse. Montre. Une montre tronçonneuse. Une montre tronçonneuse. Ah bah c'est Apple, ah, c'est une tout. Tronçonneuse mais qui donne l'heure. Il est l'heure de mourir. Il y a une tronçonneuse et il s'est pris le plot dans la figure. Ah, je suis vivant, je suis mort. Je vais dire, John, qu'est-ce que tu fais là? Où est Janet? Où est Janet? C'est vrai ça, où est Janet en fait? Bob, tu peux lui rappeler ça. Précédemment. Précédemment, dans les épisodes précédents, Janet a décidé, encore une fois, de faire comme elle a toujours fait, survivre seule, nous donner les indications générales de la direction pour laquelle nous pourrions fuir, mais elle-même prendre ses chances, puisqu'elle ne préfère pas se déplacer en groupe. Elle nous a confié des heroes aussi, surtout. C'est pas tout à fait ça. Tu... Elle, Janet est partie, fumer des spliffs. L'explication que vous en avez donnée est à peu près ça. Mais je... survivant j'ai Kai. J'ai fait ce que j'ai pu pour débarrasser le chemin. Ils sont venus en nombre, j'ai bloqué ce que j'ai pu. J'espère qu'il me reste assez de carburant avec cet engin de mort. Et je les attends, moi, les morts. Oui, je les attends. Ils sont où? Ils sont encore là, ils arrivent. J'entends que ça tire. Ils s'en chargent. J'arrive pas à t'entendre, Lily Rose, je parle vraiment trop fort. Très bien. Donc il est pris dans un monologue totalement sanguinaire et il a un peu dérapé quoi. Il fait du bruit ou pas s'il gueule comme ça? Oui, bien sûr. Je vais descendre pour me mettre à côté et juste qu'il me voit pour se calmer. Mais lui débarque comme ça. Calme-toi. La petite fille. Sauf que t'es trop petit, tu lui mets des baffes dans le bidon. Il semble chercher quelque chose du regard. Ils sont là, il y en a partout. Les zombies? Non, les autres. Elles courent, les meneuses de claques, elles arrivent. Au même moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces meneuses de claques, c'est encore un truc genre le futur? À ce moment-là. Shérif. Tu viens tellement de gagner un malus de ouf. Shérif. À ce moment-là, tu tombes à la renverse. Tu tombes à la renverse et tes jambes sont traînées dans le charnier. Antonio, tu vois ça? T'arrives pas trop à savoir ce que c'est. Et bah, je vais tirer par les bras parce que je peux pas aller vers les jambes. Objection, je peux tenter de faire un jet de force? Parce que là, d'où Jésus? T'as fait un échec critique, donc non. Attends, j'ai fait un échec critique, mais il baisse à chaque tour que tu le mets de côté, parce que mettre de côté des échecs critiques, c'est quand même très anti-MJ. Ah oui, dans le supplément de règles sur les métros. D'accord, ok, très bien. Moi, la prochaine fois que je fais un succès critique, je dis, ah ben non, je vais le garder, en fait. Mais la différence entre toi et moi, c'est que c'est moi qui l'ai mis, donc c'est pas bon. Donc du coup, tu vas pas me faire un test de force, c'est Antonio qui va me faire un test de force pour t'arracher à cette étreinte. Moi je veux tirer dans le bourbier, dans la panique. Il okay. met une manchette comme ça. Vas-y. Je suis désolé, moi, quand il se passe des trucs comme ça proche de moi, je panique et je tire. Zbra, 4. Ça passe. Bon, ça touche le charnier. 45. Ça touche le charnier. D'accord. Ça touche. À toi, Antonio. Du coup, j'ai un bonus de 10%. Tu m'avais donné un bonus de 10 tout à l'heure que je vais gâcher. Alors, attends. Bonus de 10% ou bonus de 5% à la réussite critique? Qu'est-ce que tu préfères? Non, moi je veux le tirer de là, que ce soit avec brio ou pas, du moment que je le tire de là, tout va bien. Vas-y. Non, je préfère réussir sur 80. 21. Ok. Tu réussis à le tirer de là, difficilement, tu l'arraches de cette étreinte, mais cependant, il y a cette force incommensurable, cette force d'un mort plus rapide, plus fort, plus meurtrier, et la créature sort de là, et la pom-pom girl te saute à la gorge. Moi oui, c'était un mort-vivant pom-pom girl, tout à fait. Mon tir n'a pas aidé, je visais dans la mauvaise direction. Il y a un bras qui a explosé. D'accord. Mais il saute à la gorge de qui? C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais lancer un des 6. 1, 2, 3. Antonio, 4, 5, 6. Mais. Chef. Est-ce que tu peux. Il bondit sur. Est-ce que tu peux inclure Joseph? Il est juste là. Non, parce qu'il était pas proche. Ouais. Ouais, tant pis. Ok. Du coup, je fais un test d'esquive, d'agilité. Je fais quoi? Oui, t'as réussi ton test et de perception et de... De force. Oui. Du coup, je le fais vanilla, j'ai un bonus, pas de bonus? Je le fais vanilla. Ok. Là, c'est cool. 55, logiquement. Ok, 5 pour 75. Oui. Exactement, elle te saute à la gorge, elle passe à côté,
Et toi, tu réussis à esquiver in extremis. Shérif, tu es ici. Et à ce moment-là, Joseph est là. Vous êtes en surnombre. Et il y en a un qui la bloque alors qu'elle a un bras complètement explosé. Et vous finissez par la neutraliser. Une fois que vous saisissez la situation. Donc, il y a de son côté, John qui pointe du doigt. Oui, c'est elle. Il y en a d'autres qui sont partout. Mais pourquoi me neutre de claque? C'est ce que tu dis? Parce que John... Parce que John est fou. Non, de toute façon, c'est le joueur qui est la personne qui ne comprend pas. Non, mais un, parce que John est fou, et de deux, t'es trop loin normalement. Ah c'est oui, c'est vrai que je l'ai pas entendu. Qui répond ça. C'est ça, ça. Lily Rose. Quoi? Pardon? Je rappelle que Fred est le joueur le plus RP. Ça, je vais pas te lâcher, mon gars. Et donc, c'est elle, c'est elle. Donc après, tu donnes une claque derrière la tête. Oh, c'est elle. J'ai eu un moment d'absence à cause de toutes les odeurs d'effluves de mort. Du coup, il faut embarquer. Il y a que l'aiguillage à régler. Il y a que l'aiguillage à régler là. D'accord. Et virer les corps. J'ai tellement épuisé et puis elles sont arrivées. Ok. Putain. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fasse? J'ai 7 ans. T'as pas 7 ans. Bah viens nous prévenir, enfant de bâtard, c'est pas possible ça. Ah d'accord. T'as pas 7 ans, t'as 11 ou 12. Le mec, s'il a pas les objectifs en HUD en haut à droite de l'écran, il a zéro brain. C'est pas possible. Il a pas validé la quête. Hein. Mais elle est affectée par la mort de Blaze, c'est pour ça. C'est ça. Le RP. Ouais. Le RP. C'est vrai. Jusqu'au bout. Alors. Du coup, il n'y a pas des mouvements de zombies, de hordes ou quoi? Parce que moi, j'ai fait du boucan avec mon coup de fusil. Et puis, John aussi, quand il a braillé. Il a dit qu'elle en était à sa deuxième balle, Blaze. Donc, si elle a troisième. Pas, elle non, troisième. Tirer, ouais. Donc, il en reste deux. Troisième. Donc, ça veut dire que même si tu as tiré un coup de feu, on a encore l'avantage. Tout va bien. Ça commence parce à venir. Le feu est le plus proche. Je cours dans leur direction et je fais John, il a dit qu'il fallait aiguiller l'aiguillage et qu'il fallait dégager les bois. Voilà. Ah ok, moi tout ce que j'ai entendu c'est. T'as un bonus de 55% Fred sur ta prochaine action pour ce roleplay. Écoute. Non, c'est faux. Alors, donc du coup. qui va s'occuper de l'aiguillage? Bah, Joseph, il est pas déjà allé Ouais, Joseph, il est là, non? Ok, je vais faire un test par rapport à Joseph pour s'occuper de ça. Alors, est-ce que c'est un test de force? Réussi. Il règle ce qui doit être réglé. Il y a évidemment l'aiguillage et les rails qui sont bloqués à cause des cadavres. Et Antonio finit par dégager. Et John dit « Ah, il y en a d'autres, elles sont partout !»« Les meneuses !»« Oh, les putains de meneuses de claque, elles sont partout !» Mais c'est quoi une meneuse de claque? c'est des nanas qui arrivent et qui mettent des claques? C'est un mec, il est routier, il a une tronçonneuse à la main droite, il a beaucoup souffert, il a pas besoin d'être cohérent. Okay, un moment, donc c'est ce que vous dites là. Ouais, mais je suis intrigué aussi par l'appellation. Je vais dire, John, c'est quoi une meneuse de claque? J'ai passé quelques années au Québec. Si vous appelez ça les pom-pom girls, quoi, les meneuses de claque. Donc. Donc il y a un grand moment de flottement. Google. Voilà. Fallait le dire avec l'accent. L'accent, ça fait tout. Hein, je suis navré. Ouais. Pas vrai, Antonio. Hein, j'ai beaucoup voyagé. C'est pas ma faute si vous panez que dalle. Et vous réglez l'aiguillage et vous dirigez. J'ai envie de manger une bonne poutine là, vite. Vous allez vers le wagon alors que ça tambourine derrière les portes, alors que lui regarde partout autour. Est-ce que vous prenez sa tronçonneuse des mains ou quoi? Alors attends, non, objection. Est-ce qu'on a vidé assez de cadavres pour qu'on voie les rails faire ping comme oui, ça? Oui, tout alors, à fait. C'est pas juste trois cadavres qui vont pas désamorcer, mais dérailler un train. Calmez-vous. Tout à fait. Pierre, si bah bien sûr, ça va être complètement broyé en fait. Ouais, ils vont payer, je veux dire. Dans ce cas-là, moi je dis à John, va dans le train et prépare-toi à démarrer. Ok, il y va. Il commence. Alors, je le suis parce que je m'appelle John aussi, hein, et je me pose la question de savoir comment il sait mon nom, l'enfoiré. Moi j'y vais aussi, enfin, toutes les personnes. Bah oui, un peu faibles. Pourquoi fatiguées. On resterait là-bas? Ouais, c'est clair, pourquoi rester? Le train, il a l'air bien. Hein. Tout à fait. Moi je dis. Si j'arrive vite, je pourrais choisir ma place. Il y a. Alors, en faisant attention. Ouais, d'abord. Alors,
En faisant attention à ce stick bâtard, il pourrait nous faire une... Il pourrait nous faire une crasse, là. Il y a les corps qui investissent le tunnel. Vous entendez une quatrième balle siffler dans le tunnel. Il y a aussi les râles, les cris, les hurlements, les grognements des zombies qui commencent à passer. Certains sont plus rapides que d'autres. Certains commencent à vous rattraper, presque, parce que vous investissez le wagon. John commence à le démarrer. Il y a l'aiguillage qui est fait. Il y a les rails qui sont dégagés. Il commence à y aller, littéralement, avec vous. Le wagon prend de la vitesse. Vous voyez se fracasser les morts-vivants contre le côté du wagon. Il prend non seulement de la vitesse, mais en plus, vous avez ce petit goût d'espoir qui commence à vous gagner. Il regarde autour, vous voyez d'autres pop-pop girls commencer à investir au tunnel. Elles prennent de la vitesse autant que vous, sauf que vous accélérez, elles arrivent à leur maximum lorsque vous sortez du tunnel en direction de votre liberté. Vous êtes à l'air libre dans le wagon qui prend une vitesse folle. Vous avancez, vous risquez un peu d'espoir. Lily Rose, elle, ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Blaze lorsque la dernière balle se fait entendre. Et vous voyez les morts, les cadavres se fracasser sur le côté. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. On est dans le train, de toute façon. Et vous êtes à l'avant. Raté. En 80, raté. Gloria et Antonio, finalement, le duo de choc. Gloria qui regarde l'horizon, mais en fait, qui regarde l'intérieur, en fait. Du wagon, l'horizon de l'intérieur. J'ai compris ce qui s'est passé depuis le début, moi. C'est le meilleur voyage à Disneyland de toute ma vie. C'est ça, elle regarde l'intérieur de sa cataracte, elle demande quand est-ce que c'est Motus, tu vois, la maison. Non, c'est ça, il y a un cadre de paysage, là. Je crois que c'est là. C'est ça. Il y a Sheriff et Lily Rose qui voient par ici, non seulement la charge, ici non seulement une charge d'ordre, non seulement ici et ici, mais en plus, il y a des gens qui courent et qui font « au secours, arrêtez-vous, au secours !» Et il y a John qui est en train, avec la main sur le frein, comme ça, et qui regarde droit devant, vous êtes devant. Et il regarde, et Lily Rose, tu vois dans son regard qu'il a remarqué ses survivants. Quelle est la première chose que vous dites ? Shérif. Et Lily Rose. Je vais juste m'approcher de John, lui mettre la main sur l'épaule, il va me regarder et je vais faire. C'est tout. Moi, je demande à John si on arrête le train, il redémarrera ou pas ? Bah là, on va trop vite. Le temps que t'as posé la question, on les a passés, les gars. Oui. Quand tu dis ça. Mais bon, on va imaginer que non, du coup. Vous avez vu quelque chose ? Mais... Il dit ça, John. Moi, j'ai rien vu. Et quand vous passez à ce niveau-là, vous entendez se fracasser pas seulement des morts. Et vous quittez les lieux. Moi, à sa place, j'aurais dit drifter le train de côté pour en écraser le maximum possible. Et il plisse les yeux, il garde la main sur le frein et vous entendez les cris derrière des survivants qui ont tenté de monter sur votre wagon et vous avez enfin saisi le souffle de la liberté. Je crois qu'on a heurté une vache.